On l'appelle biologie totale, c'est une médecine qui tue. Ce soir, une enquête sur les centaines de personnes mortes parce qu'elles ont cru que face à la maladie, les paroles suffisaient. Ce soir, nous allons nous intéresser à une médecine particulière, une médecine qui tue. On l'appelle biologie totale ou nouvelle médecine germanique et son fondateur, un certain docteur Hammer, la présente comme révolutionnaire. Pour lui, pas de maladie, pas de tumeur et donc pas de traitement, rien que des paroles pour soigner sans douleur. Ce soir, grâce à l'enquête menée par Philippe Dutilleul et Nathalie Dereuc, vous allez comprendre comment ce docteur Maboul a réussi à tisser autour de lui tout un réseau d'adeptes. Vous allez aussi mieux comprendre comment ses thèses ont mené à la mort des centaines de personnes aux quatre coins du monde. Nathalie Dereuc, bonsoir. Bonsoir. Alors, parmi ces personnes, il y avait malheureusement votre maman. En quelques mots, vous pouvez nous dire de quoi souffrait votre maman et comment elle est tombée dans ce piège? Alors, maman s'est découvert une grosseur au niveau du sein gauche, uniquement perceptible à la palpation, à la Noël 2005. Elle a immédiatement décidé de suivre les traitements médicaux proposés par la médecine scientifique, mais un ostéopathe qui la suivait pour d'autres problèmes de santé et qui était d'ailleurs un ami de longue date de la famille, a lui préconisé de ne suivre aucun traitement parce que selon lui, la grosseur au sein était le résultat d'un conflit. Pour lui, on faisait des cancers plusieurs fois par an, il suffisait de résoudre le conflit pour que la maladie disparaisse. Alors on l'a dit au début, votre maman est décédée et combien de temps après être tombée dans ce non-traitement, j'ai envie de dire ? Décédée du cancer n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est que dans le cas maman, c'est intolérable. Elle est morte au bout d'un an et demi de calvaire à la Noël 2007. Alors Nathalie, vous êtes journaliste et on va le voir, ce drame vous a plongé dans le combat. Nathalie Dereuc a été invitée à prendre la parole dans la salle de conférence d'un grand hôtel londonien. Face à elle, un public de spécialistes de la lutte anti-secte. Elle témoigne sur le drame vécu par sa mère, Jacqueline Stark, atteinte d'un cancer au sein et victime de trois charlatans. Parmi eux, un thérapeute autoproclamé qui a soigné ce cancer par téléphone, avec des conséquences désastreuses. Le sein droit se met à grossir, l'ensemble du thorax et du cou est constellé de ganglions et parcouru de veines éclatées violacées. Une pression respiratoire constante l'empêche de respirer normalement. Elle se meut avec difficulté, elle est entravée par les manifestations physiques du cancer qui la ronge. Face à ce tableau mortifère que Jacqueline dépeint à ses gourous, et les hurlements de douleur qu'elle ne parvient plus à contenir, ils l'enjoignent à s'astreindre à l'abnégation et l'acceptation. Chaque fois que je travaille sur vous, ça me demande un... Par chance, Jacqueline Stark avait enregistré la plupart des conversations téléphoniques avec ses bourreaux. Sa fille les a écoutées, en a retranscrit le contenu et a mené sa propre enquête pour comprendre comment sa mère avait été abusée au point d'en mourir. Elle a notamment contacté par téléphone une guérisseuse qui a manipulé sa mère. Au début, j'ai dit non, cette personne n'a pas de cancer. Lui disait, elle n'a pas de cancer, je vais la sortir de là. Et à un moment donné, ça a très mal tourné. Elle a tenu jusqu'à un point extrême. Pourquoi ? Parce qu'il lui disait de tenir, c'est ça ? Il lui disait de tenir. Et elle avait un bras qui avait enflé énormément. Et il ne voulait pas le savoir. Il disait tout est bon parce qu'il s'en référait aux travaux du docteur Hammer, à la biologie totale. Il a travaillé, mais il a travaillé avec la volonté et le pouvoir d'avoir une réussite, d'avoir un succès. Il a eu un échec cuisant. Ce gourou qui prétendait guérir Jacqueline Stark est lui-même décédé d'un cancer du cerveau. Bonjour. Auparavant, Nathalie Dereuc l'avait rencontré avec une caméra cachée. Il rendait alors responsable Jacqueline Stark de sa propre maladie. Je me suis demandé à un moment si ce n'est pas ça qui m'avait amené au cancer. Moi-même. Donc, si je n'étais pas... si ma tumeur au niveau du cerveau n'était pas liée à ça. Je ne dis pas ça pour que vous me rémunériez maintenant, mais j'ai vraiment donné
donné un maximum et elle était vraiment, comment est-ce que je vais dire ça, ma patiente préférée. Quoi. Je trouve ça vraiment ahurissant, j'étais sûre qu'il allait se défendre et justifié d'une manière ou d'une autre. Et s'il ne justifie pas, il explique juste qu'il a tout fait pour l'aider, il en est convaincu. Nathalie Derueck a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux malgré le décès du guérisseur. L'instruction suit son cours. Les dérives sectaires liées à la santé et au bien-être sont en forte progression. Le cas de Jacqueline Stark est exemplaire. Parce que si effectivement un individu peut choisir de se suicider ou de ne pas se soigner, c'est une chose. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une femme qui a été abusée par des psychothérapeutes autoproclamés, voire des gens du monde médical, personnel soignant, disposant de diplômes. Nous sommes face à des infractions pénales. Il y a escroquerie, exercice illégal de la médecine, non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, on a la loi. Quand les familles viennent me voir pour éventuellement saisir la justice, une de leurs souffrances importantes consiste à dire « Mais comment est-ce que je ne l'ai pas arrêté à un moment donné dans ce délire qui fait que ça l'a amené à la mort ?» Nathalie, comment vous avez vécu la descente aux enfers de votre maman? Vous la voyez vraiment prise au piège de ces gourous de la biologie totale et vous ne pouvez rien faire? Il est essentiel de comprendre que la manipulation mentale se fait à l'insu de la personne. On ne décide pas de rentrer dans une secte, la secte vient à vous de manière insidieuse, avec des techniques bien rodées. Dans le cas de maman, elle avait abandonné tout esprit critique et elle était dans un discours irrationnel, dans la pensée magique, je n'avais plus aucune prise sur elle. Si le chiffre de 500 décès dus à la méthode Hammer est avancé, peu d'affaires sont révélées au grand public. Sous la houlette de Nathalie Derueck, des proches de victimes se sont rassemblés pour fonder une association internationale de lutte contre les dérives sectaires thérapeutiques. Chaque cas est un calvaire. La plupart des témoins directs se sentent complètement démunis. Moi, à l'époque, bon, il y a 5 ans, j'avais fait un... J'avais attaqué Hammer personnellement au tribunal en Allemagne et j'ai perdu parce que ça s'est passé en Espagne. Ma femme a été voir Hammer en Espagne, donc pour les Allemands, ça ne s'est pas passé sur le territoire allemand. Mais pourtant, ça continue. Et tu as tous ses disciples qui font des réunions, qui jouent aux grands médecins charlatans. Et en attendant, ben, ces gens-là, ils tuent et ils se font du fric, ils se font du pognon. La compagne allemande de Gilbert, Michaela, artiste peintre atteinte d'un cancer du sein, est tombée dans le même piège mortel. Elle abandonne sa chimio après avoir consulté sur Internet un forum de la médecine germanique. Il y avait dans ce forum d'Hammer quelqu'un qui lui a dit « Pour enlever tous les restants de chimio que tu as eu, il faut acheter un chou et avec des feuilles de chou, tu les écrases et tu les mets sous tes blessures. » C'est pour enlever cette chimio, soi-disant, pour faire sortir la chimio du corps, parce que c'est un poison. Elle m'a envoyé au supermarché chercher des choux. Elle prenait une feuille, elle l'écrasait avec un rouleau à tarte et elle mettait ça sur ses blessures, sans laver les feuilles. Il y a quelque chose qui ne va plus là. Elle était complètement manipulée à 100%, puisque après, on a décidé de se séparer. C'est ce que les gens du forum, le Hammer et tout ça, c'est ce qu'ils voulaient en réalité. Mais pour finir, ça se propageait tellement qu'elle avait mal, qu'elle souffrait. Tout le thorax était ouvert, mais complètement, jusqu'où on voyait les os et tout. Le médecin en chef m'a dit textuellement, « Je n'ai jamais vu rentrer une personne toute ouverte comme ça, vivante. J'ai jamais vu ça de ma vie. » Serge, sa tumeur, pour lui, c'était pas une tumeur. Ils appellent ça la tuvie.
C'est quoi là? La tu vis, c'est. C'est en fait ça. Tu vis. Voilà, tu vis. Ah. Tu as mal, t'as un cancer, c'est pas ça. C'est. Laisse sortir ton cancer, laisse les hémorragies, laisse le sang. Oui, c'est un. Soi-disant, c'est un signe de guérison. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit à ma femme. Une biopsie révèle qu'un bouton sur le visage de Serge est cancéreux. Il suit un traitement classique, mais y renonce aussi après quelques semaines. Il arrive à trouver quelqu'un qui sort de je ne sais trop où et qui lui dit « Mais c'est pas ça. Tu sers de pion, tu sers de... Ouais, tu sers à l'État. T'es un cobaye. » Et nous, on a mieux à te proposer. Si tu veux être guéri, faut que tu trouves le conflit. En fait, ta maladie, ta tu-vie, c'est, ça vient de ta famille. Il a pas dit à maman que c'était de sa faute parce que c'est une maman, on fait pas de mal. À moi, il a réussi. C'est de ta faute. À cause de toi, tu m'as donné ça. C'était très dur. On reste impuissant, on a beau lui faire comprendre. Tu pars, tu t'éteins. Tu te diriges vers la mort. Mais non, je vais m'en sortir. Il s'en est pas sorti. En 3 mois, même pas. Il est parti avec des douleurs insupportables. Son petit bouton s'est transformé en une tumeur qui sortait de l'orbite. Après, elle se propageait sur son visage, sortait de la narine. Tout ça pour finir aveugle. Il a réussi à nous dire. Ils m'ont bien eu. Je me suis fait avoir. Le père de Marion souffre, lui, d'une tumeur avancée à la prostate. Il refuse de se soigner suite au conseil de 2 thérapeutes canadiens, fervents adeptes des méthodes culpabilisantes d'Amer. C'était le problème de son cancer face à la relation que j'avais avec un homme dans le temps. Il est juste venu me voir en me disant eh ben, écoute, le cancer de la prostate, c'est de ta faute, etc. 2 semaines après, j'ai laissé le copain avec qui j'étais parce que ça me faisait trop mal. Mais finalement, en faisant des recherches après sur Internet, sur cette médecine, en écoutant parler le thérapeute aussi, en entendant mon père qui en parlait, je me suis dit c'est n'importe quoi, quoi. Par la suite, en fait, il a déclenché un cancer des os. Donc le cancer s'est propagé, il a fait des métastases osseuses dans le dos, dans le cou, dans les vertèbres, dans les côtes. En tout cas, il y en avait un petit peu partout. Et puis ça, c'était la même chose. Ça, c'était la faute de ma mère parce qu'elle ne se souvenait pas dans cette médecine-là. Mon père était plus capable de prendre ses propres choix. C'était les choix du thérapeute. Fait qu'à chaque fois que mon père avait un choix à faire, il appelait François, il appelait sa femme. C'était tout le temps ça, quoi. C'est devenu insoutenable, quoi. Tout le processus de l'emprise va faire que la personne ne peut plus réfléchir par elle-même. Elle ne peut plus même douter. Si elle commence à douter, c'est le mal. C'est le mal et c'est quelque chose qui va l'empêcher de guérir. C'est quelque chose qui va être contre le gourou, contre le leader. Et donc le doute va être quelque chose qu'il va falloir chasser absolument de la tête d'un patient. On ne peut pas guérir si on doute. Ça, c'est certain. C'est ce que dit la biologie totale. Rijke Geert Hamer fait toujours recette. Ses nombreux disciples, comme le Belge vivant au Québec, Jean-Jacques Crèvecœur, avec ses multiples casquettes, vraies ou fausses, réadaptent cette théorie à leur sauce. Organisent des séminaires coûteux, comme celui-ci. Forment de nouveaux thérapeutes, la majorité d'entre eux provenant du milieu médical et paramédical. Voici un florilège de propos tenus dans des bâtiments universitaires belges, loués par ses apprentis sorciers, l'ICHEC à Bruxelles et les facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. Le cancer en soi, ça n'a rien de destructeur de l'ensemble de l'organisme. Si vous y réfléchissez quelques secondes, le fait d'avoir quelques milliards de cellules de plus dans votre organisme, c'est pas ça qui va vous faire mourir quand même.
C'est comme si vous étiez enceinte d'une tumeur. Une personne sur deux parmi vous a le cancer pour l'instant. Vous venez tous de faire un choc de diagnostic. Allez, je vais vous. Mais oui, mais c'est ça, un rhume, c'est un cancer, donc je pourrais dire 50% parmi vous a un rhume. Quand certains de mes clients font un scanner et me disent on vient de me diagnostiquer des métastases au cerveau, ça y est, je suis foutu, je suis condamné par la médecine. Je leur dis, ben écoute, c'est génial ce qui t'arrive. Il dit, comment ça, c'est génial, je suis condamné. Ben, je dis, ben non, t'es pas condamné. T'es en train de guérir. Les partisans d'Amer font encore plus fort lors de la vaccination contre le virus H1N1. Ils récupèrent la contestation et tiennent des propos paranoïaques. J'ai vu des cercueils préparés dans chaque État américain. Un certain nombre de guillotines ont été fabriquées pour équiper les camps de concentration où on mettra ceux qui refuseront la vaccination. La seconde étape de son périple mène Nathalie de Roeck dans la partie germanophone du pays. Bonjour. Bonjour. Elle a rendez-vous avec des membres de la famille Chomers. Ils dénoncent des faits qui ont débouché sur le premier procès de thérapeute sectaire en Belgique. Devant le tribunal correctionnel de Liège, présidé par la juge Cabu, comparaît Louis Vliegen, assistant social et psychothérapeute. Il fut le relais en Belgique de Claude Sabat, médecin français des inscrits de l'ordre, fondateur de la biologie totale des êtres vivants. Sabat s'inspire des lois de Hammer, mais en prenant la précaution oratoire de ne pas forcer les malades à rompre d'office avec la médecine traditionnelle pour éviter d'être condamné. Voilà, l'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Vliegen, levez-vous. Vous êtes Monsieur Vliegen Louis Bernard, né à Saint-Vite le 21 mars 1955, de nationalité belge, divorcé, psychothérapeute. Première prévention, une prévention d'exercice illégal de la médecine. Une seconde prévention de coups et blessures involontaires avec circonstances de mort sans intention. Et cinquième prévention, une prévention d'escroquerie. Est-ce que vous reconnaissez, M. Vliegen, toute ou partie des préventions qui vous sont reprochées? Aucune? Aucune. Les plaignantes sont les deux filles de la victime, atteintes d'un cancer de l'estomac diagnostiqué début 2002. Vliegen, qui a soigné leur frère par le passé, entre en scène. Et selon la partie civile, promet à la malade une guérison sans recourir au traitement classique. Le thérapeute met à jour un conflit avec une belle-mère décédée en 1979. Ce serait la cause du cancer de sa cliente. Elle était tout à fait persuadée que c'était la solution qu'il lui fallait. Le miracle allait se passer. Louis Vliegen allait la sauver. Il avait une telle influence sur mes parents. Ce que nous, on disait, ça ne coûtait plus rien. Il était le détenteur de la vérité unique. Elle est décédée le 10 juillet à la maison, après une semaine qu'elle a passée à l'hôpital à Verviers. Mais avant d'aller à l'hôpital à Verviers, elle a demandé que Vliegen vienne à la maison, qu'il lui donne sa bénédiction pour qu'elle puisse être hospitalisée. Et je le vois encore rentrer le matin, là. Il rentre, ça sent le désespoir, ça sent le mort. La mort. La mort. Il n'y a que 20% de survie. Aujourd'hui, Monsieur Vliegen travaille comme accompagnateur de personnes avec des problèmes psychiques, psychiatriques. Et ça aussi, je trouve grave que les autorités compétentes le laissent faire, parce qu'on sait qu'ils manipulent les êtres faibles. Dans le département psychiatrique de la clinique Saint-Joseph à Saint-Vite, où travaille actuellement Louis Vliegen comme salarié, la gêne est très perceptible quand nous évoquons son cas, même si les responsables de son service prennent sa défense. En Belgique, chacun peut faire ou peut se nommer psychothérapeute et il peut le faire. Il n'y a pas de. Comment dire, pas de. Est-ce qu'il y a une chute ?
pas de protection. Il n'y a pas de protection du métier. Oui. Et c'est le cas de M. Vliegen, si j'ai bien lu dans la presse. Le cas de M. Vliegen, il vaudrait peut-être mieux le discuter avec lui. Il travaille ici pour le service d'activation. C'est un projet pour des gens psychiatriques stabilisés qui essayent de se réintégrer au marché du travail ou dans un bénévolat où c'est l'accompagnement pour retrouver un travail, une occupation, un lien avec la société. Et dans ce cadre-là, je dois dire, le travail de M. Vliegen est recommandé de tous les côtés comme bon. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de nous dire un petit mot? Pas maintenant. J'attends, je laisse la primeur au tribunal, comme je l'ai fait à chaque fois qu'on m'a invité de parler en public. Et je me réjouis de désamorcer plein d'amalgames inutiles à mon sujet dès que l'affaire sera finie. Au respect des droits de la défense, donc je vous demanderai, si vous voulez bien, de ne pas filmer les débats. Vous avez la possibilité de filmer avant, après, mais pas pendant, si vous voulez bien. Monsieur Vliegen, vous pouvez... Durant son interrogatoire par la présidente du tribunal, Louis Vliegen n'a cessé de nier, parfois maladroitement, les accusations portées contre lui, réduisant son rôle à celui de soutien psychologique, travaillant sur le ressenti et le sens des symptômes, visant le bien-être psychique de ses clients, s'occupant de la vie, affirme-t-il à la juge, en aucun cas médecin livrant un diagnostic ou un quelconque traitement. D'un côté, on dit « il s'est institué médecin de Molière, il s'est institué soignant » et nous avons entendu un homme qui nous a dit « moi, je ne soigne pas », qui nous a dit « je ne guéris pas » et j'essaie d'accompagner les gens qui sont en souffrance. D'un côté, on nous a dit « il s'est occupé de médecine » et de l'autre, il dit « non, moi, je m'occupe de l'âme ». Les médecins n'ont pas la prétention de s'occuper de l'âme. Et la question, d'ailleurs, est de savoir si monsieur a, lui, l'intention de s'occuper du corps. Le corps et l'esprit. En 1993, Louis Vliegen entreprend la thérapie d'une adolescente diabétique en accord avec ses parents. Lorsqu'on vous dit qu'elle peut guérir, on ose y croire. On ne demande qu'à une chose, c'est à y croire. Au fil des séances, on s'est rendu compte qu'elle était complètement déstabilisée psychologiquement. Elle gérait mal son diabète, il n'y avait plus rien qui allait. Vliegen dit à notre fille, diminue tes doses et peut-être arrête ton insuline, on verra un petit peu ce qui va se passer. Et elle rentre, elle nous en fait part, heureusement. La question insuline, je voulais que ce soit la diabétologue qui décide, pas Louis Vliegen. Et elle n'a rien changé, mais quelques jours après, elle nous a dit qu'elle n'était pas bien en suivant cette thérapie, qu'elle préférait arrêter. Et j'ai téléphoné en lui disant, bon, voilà, Nathalie arrête et elle ne viendra plus. Elle dit, mais qu'elle vienne encore une fois. Je dis, non, elle ne viendra plus. Et il m'a dit, mais c'est lequel de vous trois qui ne veut pas qu'elle guérisse? Alors là, ça fait mal d'entendre ça, comme si on refusait sa guérison, mais on sentait bien qu'elle n'allait pas du tout vers une guérison. Il prétendait même que ça arrangeait très bien les médecins de maintenir les personnes diabétiques, parce que ça fait vivre les pharmacies, ça leur assure une certaine clientèle. Donc c'était mieux qu'ils restent diabétiques. C'est de l'ordre de l'escroquerie, hein. De la manipulation, de l'abus de confiance. Il devait, à l'époque, se faire entre 70 et 80 000 francs belges par mois. Absolument non déclaré, parce que, à part le fait qu'on ait payé par chèque, on n'a jamais eu un seul papier. Ce cas, heureusement, n'a pas débouché sur un décès. Il sera classé sans suite par le parquet de Verviers. Mais d'autres témoignages, à charge et à décharge de Louis Vliegen, sont contenus dans son dossier répressif. Tribunal. Bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. On va avancer et terminer l'instruction d'audience dans Vliegen. Je vais demander bien évidemment. Durant le second interrogatoire, l'inculpé tente de rejeter sur la famille et la malade le choix de ne pas aller à l'hôpital. Madame Chomer, c'était un rogue, dira-t-il. Et c'est elle qui, sous l'influence de son fils, avait Hammer en tête. Je ne l'ai en rien influencé, mais je reconnais avoir étudié la théorie de Hammer et entretenu des liens étroits avec le docteur Sabat.
J'ai pris mes distances avec la biologie totale en 2004, conclura-t-il. Pourtant, un tract de 2007 en fait encore le relais de Claude Sabat en Belgique. C'est odieux ce qu'il a répondu là. C'est une contradiction du début à la fin. Et moi j'ai l'impression qu'on oublie un peu qu'on parle d'une femme qui est morte dans d'atroces souffrances. Et ça a duré 5 mois. Je ne vais pas répondre, monsieur. Il ment à longueur de procès. Moi je suis révoltée, j'ai envie de hurler quand je l'entends. C'est Hammer en plein, c'est lui qui nous a fait connaître la théorie de Hammer, il nous a donné tout le fascicule sur Hammer. Il est révoltant, moi je n'en peux plus de l'entendre, d'ailleurs j'ai des couleurs à cause de ça. Quand on est un homme en recherche, quand on est un homme intéressé par l'aide à autrui, par l'assistance à autrui, et que l'on apprend qu'il y a de nouvelles méthodes, il est normal, il faudrait être un âne batté pour ne pas s'intéresser à ces nouvelles méthodes. Monsieur Vliegen ne cache d'ailleurs pas qu'il a eu plus que de la sympathie, c'est son mot, pour les thèses du docteur Sabat, un homme qui, quoique poursuivi plusieurs fois, n'a jamais été condamné. Il faut quand même le dire. On a l'air de dire, bon, il y a le diable... attendez, il n'y a pas le diable. Il y a un médecin qui a des thèses originales, comme Freud en avait, comme le créateur des petites souris qu'on croise, etc., qui pendant des années n'a pas été reconnu. Et l'homme que je défends a estimé, lui, effectivement, que ce qui se disait chez M. Sabat, chez le docteur Sabat, était intéressant. Monsieur Joseph Chomers souhaite faire une déclaration à titre de témoin à l'audience du jour. Qu'est-ce que vous souhaitiez en allant consulter M. Vliegen? Vous guérir le cancer. Il me dit, je peux vous garantir 40%, un 80%, excusez-moi. La guérison? Oui, la guérison. Donc, quand il vous dit cela, vous imaginez qu'il est quoi? Qu'il est médecin? Qu'il est psychologue, qu'il est psychothérapeute, qu'il est là pour uniquement vous apporter un soutien parallèle à l'aspect médical. Votre ressenti, c'est quoi? En espérant qu'il nous aide, qu'il guérisse. Nous espérions. La maladie. Qu'il guérisse la maladie. Quand on est parlé avec lui, ça dure une heure, on est certainement sûr qu'il nous guérisse. Et puis, deuxième consultation et la suite, comment ça se passe? Pour la deuxième consultation, on lui avait dit qu'on avait les radios. Il m'a même regardé, il disait, oh, c'est pas grave, le petit cancer, c'est pas grave. Monsieur Vliegen disait, le cancer, c'est quelque chose qu'on a dans la tête. On a des problèmes qui ne sont pas réglés. À ce moment-là, ça ne vous a pas paru étonnant? C'est pas dire, vous vouliez y croire. On était tellement sûrs. Celui qui dit, tu peux dire, c'est l'évangile. Quand on entend parler la victime et l'entendre dire « je crois en la biologie totale comme je crois en l'évangile », là on n'est plus du tout dans le domaine de la médecine, c'est plutôt du mysticisme. Oui, tout à fait. Au fil des investigations, on se rend compte que la foi, la croyance sont intimement imbriquées dans la théorie, et spécialement dans la médecine nouvelle germanique. Il faut croire en son gourou, croire en sa propre guérison, croire en la théorie. C'est une loi universelle, on est dans la vérité absolue et unique. Le procès de Louis Vliegen, il est aujourd'hui terminé? Non. Les plaidoiries se tiendront encore en février et le jugement devrait être prononcé fin février. Alors on le voit sur vos images, ce Louis Vliegen rôdé autour de vos témoins, c'est un personnage inquiétant. Hein. Oui, effectivement, les images sont significatives. C'est un personnage très intimidant, à l'image du fondateur de la médecine nouvelle germanique, le docteur Hammer, que vous allez découvrir dans les images qui suivent. Un personnage très très inquiétant. Nathalie Derueck a entrepris de nouvelles investigations.
le sort dramatique de sa mère n'est pas un cas isolé. La nouvelle médecine germanique, initiée par Reike Gerd Hammer, s'est répandue en Europe et en Amérique, faisant de nombreux adeptes. Son interlocuteur, Ilario D'Amato, journaliste indépendant italien, a mené durant 3 ans une investigation poussée sur Hammer. Hammer, surtout en Italie. En Italie, Hammer est surtout connu, au-delà de ses théories, comme le père du pauvre Dirk, qui a été tué sur l'île de Cavallo. Alors que Dirk Hammer dormait sur une embarcation au large de la Corse, une bagarre éclate avec l'équipage d'un autre bateau. Dirk Hammer est touché par une balle perdue. Il décède 3 mois plus tard de ses blessures, plongeant sa famille, son père en particulier, dans la colère et une immense tristesse. Certains experts disent que c'est parce que son père est venu, entre guillemets, l'exfiltrer, est venu le kidnapper et l'emmener de l'hôpital français pour le rapatrier par la route, vous imaginez la longueur du trajet, en Allemagne, pour le soigner en Allemagne, le soigner lui-même, je crois d'ailleurs, ou le faire soigner par des gens qu'il connaissait, que ce transfert, alors que la blessure était importante, aurait concouru à la mort du jeune garçon. C'est évident que c'est un choc très profond, parce que voir son fils mourir physiquement dans ses propres bras, après une agonie aussi longue, a provoqué un choc extrêmement fort. Hammer le vit sur un autre plan. Peu après, on lui diagnostique une tumeur au testicule et ensuite à son épouse une tumeur au sein. Lui commence à penser que ces tumeurs au sein et au testicule sont causées par le choc de la perte de leur fils. Après avoir développé cette première idée, son fils lui est apparu en rêve en lui consignant spirituellement ce testament disant « Oui papa, tu as raison, tu es sur la bonne route, va défendre cette théorie à travers le monde. » Hammer va alors lancer un défi à la science médicale moderne. Il énonce 5 lois, dites biologiques, selon lui immuables et universelles. La 5e loi, celle de la quintessence, affirme que les maladies n'existent pas, mais sont un programme bien fondé de la nature, une solution parfaite. La guérison intervient dès que le conflit à l'origine du cancer ou de toute autre affection est résolu. Pourtant, Hammer avait soigné son cancer des testicules par la médecine classique. Ce film de propagande vantant les thèses d'Hammer n'en a cure. Il devient témoin ainsi de la dissolution, de la nécrose ou de la désagrégation naturelle des tumeurs cancéreuses en quelques semaines, sans chimiothérapie, sans radiothérapie et sans chirurgie. 92% des patients soignés par Hammer étaient encore en vie plus de 5 ans après le diagnostic du cancer. Le taux officiel de la médecine d'école atteint à peine les 30% de survie après 5 ans. Voici son épouse Sigrid. Il l'a connue à l'université, elle était aussi médecin. Lui dit, elle a été ma première patiente, elle est morte. Moi je ne suis pas contre le concept des théories de Hammer, moi je voudrais qu'elles soient vraies. Ce serait merveilleux, mais Hammer, disons-le une fois pour toutes, il y a 27 ans que la communauté scientifique lui demande une preuve et qu'elle n'est jamais arrivée. J'ai fait le compte, il devrait y avoir plus de 300 000 personnes guéries en Europe. Où sont-elles? Il n'y en a pas, pas une seule. Bien au contraire, dans le premier hôpital dirigé par Hammer en 1985, les nombreux décès suspects amenèrent les autorités allemandes à fermer l'établissement 4 mois après son ouverture et à le radier de l'ordre des médecins. Une ex-collaboratrice d'Hammer, malgré la peur, témoigna par téléphone. Quand j'ai fait sa connaissance, j'ai pensé que c'était un autre type de médecin, pas un dieu en blanc. Je l'imaginais humain. Mais après seulement 3 jours, j'ai pensé que ce docteur Hammer était fou dans sa tête. Il a fait transférer différents patients vers d'autres hôpitaux parce qu'il était conscient qu'ils allaient mourir.
Ils sont décédés dans d'autres cliniques pour qu'on ne se rende pas compte qu'il meurt chez lui. Cela a provoqué des problèmes. Les hôpitaux de deux localités ont fini par refuser ces transferts. L'enlèvement des cadavres se faisait alors discrètement, pendant la nuit, pour que les gens ne voient pas la venue fréquente des pompes funèbres. Hammer a connu d'autres ennuis en Autriche pour avoir appliqué sa méthode thérapeutique à Olivia, une gamine souffrant d'un cancer du rein, en accord avec ses parents, propagandistes zélés de la nouvelle médecine germanique. À l'époque, vu son état très critique, la police décida d'exfiltrer l'enfant pour la faire hospitaliser de force, ce qui lui sauva la vie. Les époux Pilar, ses parents, furent condamnés. Hammer, de son côté, purgera pour des faits similaires une peine de 3 ans de prison ferme en France. Le docteur Hammer a d'abord été condamné en Allemagne pour exercice illégal de la médecine, parce qu'il n'était plus médecin. Et il a été condamné en France, et de façon définitive, par la cour d'appel de Chambéry en 2004. À ce moment-là, il était parti en Espagne, il a été extradé, il a fait de la prison en France, mais donc il ne peut plus exercer en tant que médecin en France. Depuis, Hammer et ses partisans défendent des thèses révisionnistes et conspirationnistes, allant jusqu'à tenir des propos antisémites et d'extrême droite qui se retrouvent sur Internet. On peut relever des propos du docteur Hammer qui ont été dits en juin 2006. Il a donc déclaré « Je ne crois absolument pas à l'Holocauste, du moins la manière dont il a été raconté. Je ne crois pas non plus que l'homme a débarqué sur la Lune. Pire, je ne crois pas que les tours jumelles ont été abattues par des Arabes. Au dire des statistiques officielles, seulement 3,9% de Juifs meurent de cancer en Israël, sans chimio et sans morphine. » En Europe, 98% meurent avec la chimio et la morphine. Cela s'appelle un meurtre de masse. En Allemagne, aucun juif n'est traité par la chimiothérapie. Il faut bien retenir cela. La plupart des oncologues font partie de cette communauté religieuse. Ils traitent leurs patients juifs sans chimio et les autres avec chimio. Ils ne veulent pas que le reste du monde survive. Pour ces raisons, ces dernières 29 années, 2 milliards de personnes ont été assassinées par la chimio. Hammer, dans son comportement, dans ce qu'il dit, est un antisémite, sans aucun doute. C'est un antisémite. Il suffit d'avoir un minimum de culture de ce qu'est l'antisémitisme et le nazisme pour comprendre la similitude entre les sectes manipulatrices et les techniques utilisées par le nazisme. Au lieu de critiquer les agissements de Hammer, ses partisans le font passer pour un être persécuté, un Galilée des temps modernes. Entre 1986 et 1996, Hammer échappe de justesse à 4 tentatives d'internement psychiatrique. Dans leur site, l'ancien site de la médecine nouvelle germanique, ils reprennent que le 21 juillet 88, l'intervention du gouvernement français, grâce à la lettre de M. Claude Évin, ancien ministre de la Santé, a sauvé le docteur Geert Hammer d'une psychiatrisation judiciaire. Hammer et ses partisans protégés politiquement, l'ancien ministre Claude Évin a refusé de s'expliquer sur ce point précis, prétextant un agenda chargé. On peut rencontrer des protections à un très haut niveau parce qu'on peut rencontrer des gens qui adhèrent à ces thèses farfelues. Quelle que soit la position sociale qu'on peut avoir, quelle que soit l'implication politique qu'on peut avoir, et il y a quelques dizaines d'années en France, quelqu'un de très haut placé, à la tête de l'État, a été soigné par des méthodes charlatanesques. Hammer s'est exilé en Norvège, où il a fondé l'université de Sandefjord. Mais c'est en Italie que nous retrouvons sa trace, plus précisément dans un studio d'enregistrement situé au beau milieu d'un zoning industriel de Piacenza. L'artiste Giovanna Conti a réuni le premier cercle des fidèles du théoricien allemand, accouru des 4 coins d'Europe pour inaugurer une académie de musique liée à la nouvelle médecine germanique. Notre caméra est tolérée, puis interdite quand débute la séance. Can you turn it down, please? Turn it down. Thank you.
Bonsoir et bienvenue à tous. J'ai découvert que le docteur Hammer avait écrit une chanson en 1976, une chanson d'amour dédiée à son épouse. Finalement, dans cette chanson, j'ai trouvé la forme la plus simple et la plus exemplaire de la seconde loi biologique de Hammer, contenue dans une partition musicale. J'ai eu une espèce d'illumination parce que le docteur Hammer démontrait scientifiquement que les choses appelées maladies ne sont que la seconde phase d'un programme sensé, biologique, spécial de la nature. Je me suis rendu compte que cette phase biphasique des maladies était un critère cosmique et universel, et qu'elle était aussi présente dans la musique, si c'est vrai que l'art imite la réalité comme le commun des mortels l'admet. La jeune pianiste italienne a rencontré le maître allemand en Espagne en 2007. Banni de la communauté scientifique, mais sourcilleux sur la paternité et l'utilisation de ses 5 lois biologiques, il adoube la pseudo-découverte musicale de l'artiste. La barre de notre théorie est tellement élevée qu'il est difficile pour quelqu'un de la dépasser. Ils ne parlent pas la même langue, ne se comprennent pas vraiment. Peu importe, pourvu que l'improbable ivresse scientifique soit au rendez-vous de leur rencontre. Beethoven, c'est bas, dramatique, tandis que Mozart, c'est haut, léger. Merci beaucoup, Giovanna, c'est fantastique. Fantastique, pas tant que ça. Des musiciens professionnels auxquels nous avons soumis les dépliants didactiques de Giovanna Conti ont trouvé farfelue cette théorie musicale, de la pure fumisterie en résumé. La garde rapprochée d'Hammer s'est par contre extasiée devant les allégations fantaisistes de l'artiste italienne. Parmi ses admirateurs, André Sixte, vieille connaissance de la justice française. Infirmière de formation, adepte inconditionnelle de la doctrine hammerienne. C'est une découverte du fonctionnement de la nature, psyché, cerveau, organe. On fonctionne avec le cerveau qui donne tous les ordres, les programmes du logique spéciaux de la nature. Donc il n'y a plus de maladie, mais il n'y a que du bon sens, le bon sens de la nature. Et c'est ça la découverte du docteur Hammer. Vive la vie et vive le docteur Hammer, qui vive encore longtemps. Longtemps. C'est le plus grand génie, hein. C'est le plus grand génie de notre temps. On a de la chance. De notre temps. De notre temps. De moi, je t'en. De tous les temps, oui. André Sixte a traité de nombreux patients attirés par ses boniments. Qui, en effet, n'est pas sensible au fait que le psychisme influence le corps? La théorie de Hammer joue dangereusement avec cette évidence. Selon ce témoin qu'a rencontré Nathalie De Roeck, sa sœur a été l'une des victimes de la thérapeute française. Elle était heureuse, heureuse de vivre. Mais elle a choisi une autre route. Ma sœur Corinne a appris qu'elle avait un cancer en 2003, un cancer du sein. Au départ, elle a fait quelques séances de chimiothérapie et elle a arrêté ces séances. Elle nous a dit qu'elle n'avait plus rien. Du tout, du tout, du tout. Que son cancer était parti, qu'on pouvait prendre le champagne. Donc la manipulation mentale du côté du thérapeute avait bel et bien commencé, puisqu'après on a perdu de vue ma sœur pendant environ 2 ans. On la voyait très peu. Elle avait beaucoup changé en fait, c'était plus du tout la même. Alors nous, on a su qu'elle était de nouveau malade, qu'en fait elle avait toujours eu son cancer du sein au mois d'août 2005. Là, elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer du sein, mais aussi un cancer des os. Et elle me disait que son cancer des os était normal, c'était les trous qui se referment. C'est ce qu'on lui disait au téléphone. C'est ce que André Sixte lui disait régulièrement au téléphone. Elle avait des entretiens téléphoniques avec cette thérapeute.
Elle était à fond dans la nouvelle médecine germanique. Elle m'avait demandé d'aller voir leur site officiel, chose que j'ai fait un soir. Et j'ai lu les témoignages de la médecine nouvelle. Évidemment, ils sont tous en leur faveur. C'est tous des gens qui sont guéris grâce à la nouvelle médecine germanique. Et je suis tombé aussi un petit peu, moi, dans le piège. C'est pas que j'ai cru, mais je me suis dit, bon, elle a peut-être raison, je sais pas. C'est la première fois que j'entendais parler de la méthode Hammer. La première fois. La méthode qui tue, quoi. Dernièrement, je suis retourné sur le site de la nouvelle médecine germanique, un site en construction depuis le 1er janvier. Oui, je vois. Et tu vas voir ma grande surprise, quand j'ai appuyé sur contact, qu'est-ce qu'on voit? On voit André Six, qui est soi-disant la retraite. C'est elle qui a été condamnée à Chambéry en 2000. Voilà, exactement. Condamnée, ça ne l'a pas empêchée, 3 ans après, de s'occuper de ma sœur. Oui. Elle a continué. Elle continue d'ailleurs à recevoir des patients en Italie, parce que là-bas, elle n'est pas... elle n'a pas de poursuite juridique, donc elle continue là-bas. Et c'est avec elle que j'ai rendez-vous vendredi. Voilà, regarde, tu vois. Elle continue à exercer puisqu'elle me reçoit ici, soi-disant, pour un cancer, hein, puisque j'ai trouvé un prétexte. Et elle me met au plaisir de vous voir. Merci de cacher dans un sac vos scanners. Je reste très discrète. Le stratagème est en place. Dans les rues d'un quartier populaire de Lyon, Nathalie Dereuc emmène avec elle 2 mammographies d'une patiente atteinte d'un cancer au sein très actif. Elle la fait passer pour sa sœur. Nathalie emporte aussi un scanner cérébral d'une autre personne, celle-là en parfaite santé. Selon la théorie de Hammer, on peut soi-disant déceler l'origine d'une maladie et l'organe touché sur un scanner du cerveau. Verdict. Oui, bonjour, c'est Nathalie. Merci. Merci. Bonjour. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle est guérie. Bon, voilà. Son cancer est fini. Ça restera les cicatrices. Oui. Les cicatrices, c'est même pas un cancer, c'est un bon sens. Ça restera les cicatrices, mais c'est guéri. Oui, son mari a été arraché de son sein par une autre femme, peut-être. Elle retient l'eau. C'est-à-dire? Ben, elle retient l'eau. Elle fait un conflit existentiel. Son existence est mal. Elle vit mal, son existence est mal, parce que elle est peut-être divorce, mais c'est actif. Ça, c'est actif. Elle retient l'eau. Le sein, c'est secondaire. C'est pas grave. C'est le moins grave, c'est le sein et le col de l'utérus. Le plus important, c'est les reins, les collecteurs des reins, parce que quand elle retient l'eau, tout gonfle. Toute la tumeur du sein, elle prend une grande ampleur parce que ça se gonfle d'eau. Il y a un édème, mais... pas complet. Pas disparu complètement. On voit ici, là. Il n'est pas complètement fini. Il est fini, mais pas complètement. Elle a solutionné, mais pas débarrassé. D'accord. Mais la mammographie prouve que c'est fini, puisqu'on voit blanc. Oui, sinon, oui, on ne verrait pas. Donc, elle peut dire, de toute façon, je pense qu'actuellement, il est stoppé. Et si, parce que je sais qu'elle devrait retourner vers une prise de sang, dans la prise de sang, on va voir qu'il y a des métastases ou pas. Parce que si ça, non, si jamais elle se fait des métastases, elle va paniquer. Pas de prise de sang, la prise de sang, ils cherchent les marqueurs. Et si les marqueurs augmentent, c'est la phase de guérison. Quand les marqueurs montent, c'est à cause que toutes les cellules se mettent à cicatriser. Écoutez, il faut plus rien qu'elle fasse, il faut qu'elle s'occupe de son enfant et qu'elle s'occupe. Et qu'elle laisse son mari, voilà. Faut plus rien qu'elle fasse, faut qu'elle fasse sa vie. Ça, je sais, je lui dis qu'elle faut qu'elle refasse sa vie. Pas de prise de sang, pas de rendu, rien. Et puis, il y a les ganglions du bras qui prouvent que c'est guéri. Et la mère, maintenant, c'est une bombe. Et ça, la mère, je lui dis, ça préjudice. Il a fait un livre sur le sida. Hein, le sida, c'est une supercherie, donc il dénonce. Quand j'entends des trucs de santé là, qui disent des conneries, des maladies qui n'existent, qui orphelines, des choses, ça n'existe pas. C'est tout explicable. En France, je suis condamnée et je peux à tout moment retourner en prison si on me... Moi et puis amère, parce qu'ils font porter le chapeau amère. C'est pour... Alors moi, en France, je fais pour ça que je vais en Italie. Ecco, voilà. La souris repose à Manuela. C'est ici que repose Manuela. Elle est dans mon esprit et dans mon cœur, pour toujours.
Comment pourrais-je oublier une personne comme cela, une amie aussi jeune? Quand Manuela a eu le diagnostic qu'elle était atteinte d'une tumeur, la maladie de Hodgkin, et que les oncologues de l'hôpital lui ont dit de commencer un cycle de chimiothérapie, sur le moment, elle voulait accepter. Elle était d'accord pour le faire. Puis, en fin de semaine, elle est entrée en contact avec un médecin, un neuropsychiatre, qui utilisait la méthode du docteur Hammer. Elle a fait sa connaissance, et puis il n'y a plus rien eu à faire. Il l'a convaincue que lui pouvait la guérir. Il lui avait dit que les tumeurs sont d'origine psychologique et non cellulaire. Ce médecin psychiatre à qui elle s'est référée est un gourou, un maître de la parole, et il n'a eu aucune difficulté à la convaincre que derrière la médecine officielle, il y avait un formidable business, des énormes intérêts. Nous nous sommes rendus à Pordenone, où exerce le médecin mis en cause, le docteur Tony Guzzi. Selon son avocat, il collabore avec le CRO, l'un des centres oncologiques les plus réputés d'Italie. On peut s'en étonner car dans cet hôpital, sans écarter certaines méthodes alternatives, on soigne les patients avec les moyens modernes de la science. Ce que confirme le professeur Umberto Tirelli, le directeur médical de l'institution. Pourtant, il défend bec et ongle son confrère inculpé d'homicide volontaire et rejette toute la responsabilité sur la patiente, Manuela Trevisan. C'était elle la patiente qui ne faisait rien. Ce n'est pas lui qui l'a convaincue de ne rien faire. Elle avait des problèmes psychiatriques et de dépression. Ce psychiatre l'a suivie avec un traitement pour sa dépression, en cherchant à la convaincre de suivre des traitements qui lui seraient bien utiles. Ce n'est pas le problème d'une méthode alternative. Non, non, ce médecin ne voulait pas faire un traitement alternatif. Il s'est trouvé devant une patiente qui ne voulait pas suivre de traitement qui pouvait la guérir. Il a tenté de la convaincre de suivre ce traitement. À la fin, il a réussi, mais c'était bien trop tard. La famille a une toute autre version des faits et ne baisse pas les bras malgré le soutien du corps médical concerné de Pordenone à son confrère. Le docteur Tony Guzzi a dit à ma fille qu'elle était guérie. Quand sa fièvre est revenue, je lui ai dit « Mais si tu es guérie, pourquoi la fièvre est-elle revenue ?» Et elle m'a dit « Je suis guérie de ça, mais il y a quelque chose d'autre. » Je ne veux pas interrompre notre amitié, mais si vous continuez comme ça, notre amitié s'arrêtera. Changeons de discours, disait Manuela. Et à sa maman, elle disait, si tu continues comme ça, je vais habiter chez Edda et Luciana. Elle ne voulait pas entendre notre raisonnement, absolument pas. Elle disait, vous n'y comprenez rien, moi je vais bien. C'est lui qui a raison. Il n'y avait rien à faire. À la fin, on a décidé d'aller parler directement avec le psychiatre, vu qu'elle écoutait seulement ce que lui disait. On voulait la convaincre de se soigner. Nous sommes allés le voir. Ensuite, Manuela a commencé à faire de la chimio, mais il était trop tard. Finalement, au terme d'une enquête minutieuse, le juge d'instruction inculpe le docteur Tony Guzzi d'homicide volontaire sur la personne de Manuela Trevisan. C'est le premier procès du genre en Italie. À la veille de l'ouverture des débats, nous contactons le médecin inculpé à son cabinet. Il refuse de nous recevoir pour une interview, prétextant travailler dans le sud de l'Italie. Il est pourtant bien présent à la première audience de son procès, lunettes noires sur le nez, encadrées par ses avocats. Sans surprise, le médecin plaide non coupable. Ses avocats expliquent qu'il est normal qu'un spécialiste recherche d'autres méthodes thérapeutiques, que leur client n'a aucun lien avec Hammer, que ce procès n'a donc pas lieu d'être.
Pourtant, le nom et la photo de Tony Guzzi apparaissent clairement sur Internet comme président d'ALBA, l'association italienne qui véhicule la théorie de Hammer et d'autres méthodes qui en sont proches. De plus, il a participé activement à des manifestations de soutien à Reich-Gerd Hammer et à sa médecine. Pour étayer ses dires, l'accusation dispose des agendas de la victime, où elle a notifié les étapes de sa maladie et les nombreux contacts qu'elle a eus avec le docteur Tony Guzzi. Les avocats de la défense tentent de rejeter la responsabilité du décès sur l'entourage familial, qui n'aurait pas tout fait pour détourner Manuela Trevisan de cette médecine alternative. J'ai une question à poser. Votre sœur dit qu'elle ne se soigne pas, elle raconte son histoire. Comment réagissez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Nous lui avons toujours dit... Qu'est-ce que je fais? Je reste à écouter ou je m'active? Non, je vais vérifier, je m'informe sur les théories hammeriennes et je vais vérifier les dires du docteur Tony Guzzi. Durant cette période, que faisait la famille, les amis et vous? On tentait de la convaincre de faire de la chimiothérapie. Durant la période où elle avait de la fièvre, je lui disais « Mais Manuela, ta fièvre est élevée ?» Et elle me répondait que tout ce qui arrivait, c'était ce que lui avait été annoncé par ce médecin. Lui m'avait dit que cette fièvre serait venue. Bienvenue à la fièvre. Ce sont les organes en réparation. Moi, j'ai toujours su que la fièvre était une réaction de notre corps. Un avertissement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, Manuela affirmait que la fièvre annonçait sa guérison. Je veux dire aux personnes qui ont eu une histoire analogue à la nôtre de combattre, de parler, de dénoncer. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ensemble, on peut stopper ces médecins qui utilisent cette méthode. Parce que les victimes meurent. Parce que du cancer, si on ne se soigne pas, on en meurt. Il n'y a pas de miracle. Ensemble, on peut combattre, lutter, faire quelque chose. Parlons! Le jugement a été rendu dans cette affaire du médecin italien que l'on vient de voir, Nathalie? Non, le dossier a pris du retard, il sera rendu dans le courant du mois de juin. Alors ici, on parle bien d'un docteur, hein, il ne s'agit pas d'un soi-disant psychothérapeute. Alors comment expliquer qu'un médecin donne une quelconque crédibilité à cette thèse? Il y a un grand nombre de docteurs qui cautionnent ce type de médecine alternative, et plus particulièrement la médecine nouvelle germanique, parce qu'ils sont confrontés aux limites de la médecine traditionnelle. Ils s'instaurent donc gourous pour obtenir plus de puissance. Ça comble aussi tout leur côté narcissique. Sur le plan judiciaire, où en est votre affaire, celle qui concerne votre maman? L'affaire est toujours en instruction. Un des trois thérapeutes est décédé de sa tumeur au cerveau. Les deux autres, l'ostéopathe exerce toujours à Bruxelles dans son cabinet. Et la seconde, la kinésiologue, exerce encore dans le Périgord en France. Est-il facile de déposer plainte comme vous l'avez fait? Y a-t-il beaucoup de victimes qui déposent plainte? Il y a énormément de victimes et très peu qui déposent plainte pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles culpabilisent et qu'elles ont du mal à s'exposer au jugement des autres alors qu'elles ont beaucoup de difficultés elles-mêmes à comprendre finalement les événements qu'elles ont vécus. C'est une première chose. Ensuite, il y a l'aspect financier. Il y a aussi les pressions que peuvent exercer les gourous ou les sectes sur les témoins. Et puis surtout, il y a la difficulté de prouver les faits puisqu'il faut des preuves matérielles. Et là, en cette matière, il n'y a pas de législation en Belgique? Alors, en Belgique, c'est le vide. En France, il y a la loi sur l'abus de faiblesse, la loi Abou-Picard, qui est instaurée depuis 2001. En Belgique, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas non plus de loi sur la manipulation mentale. Par contre, il y a une nouvelle réglementation en cours pour la pratique et le titre de psychothérapeute. Alors, on l'a dit, vous menez un combat et vous avez d'ailleurs créé une association de victimes. Oui, c'est ça, l'Association internationale des victimes de la médecine nouvelle et consorts, l'AIVMN.org sur Internet. Merci beaucoup Nathalie. Je termine en précisant que l'on peut en découvrir encore plus sur le drame qui vous a touché au travers de ce livre,
On a tué ma mère, un livre que vous avez écrit en collaboration avec Philippe Dutilleul. Philippe Dutilleul qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, mais que l'on salue. Merci Nathalie.